jours de décembre, au cœur des ténèbres, je suis sorti des cendres sans savoir que j'étais nègre. En quelque sorte, innocent, les seins de ma mère j'y tenais, mais la vie m'a séparé d'elle, de mon jardin d'Éden, de ma famille d'ébène, de mes sœurs si belles et de mes frères de peine. Tout ça car papa ne voulait pas marcher au pas, alors il est devenu la proie du roi léopard. On a dû quitter la jungle et aller voir autre part. On a traversé la mer, atterri dans la merde. Ok, pour dire vrai, au début ça allait. La découverte fut chouette, mais l'addition fut salée. Bloqué ici, j'ai vu mon père se laisser aller, passer ses journées à ne faire que râler. Et ma seconde mère nettoyait les chiottes pour mon frère et moi. L'école fut le premier choc, nos premiers profs avaient du mal à prononcer nos noms. Preuve qu'ils auraient du mal à nous trouver normaux. Blessés profondément, dès leurs premiers mots, on a compris qu'on aurait du mal à pénétrer leur monde et à fréquenter leurs mômes. Dans tout ce bordel, je cherche ma place, j'arrive pas à la trouver et ça me tracasse. Au bord de la crise de nerfs, j'ai développé une crise de nègre. Quand j'en parle, on dit que j'exagère, mais dans le fond ça me fait mal et il faut que je la gère. J'arrive pas à l'avaler, donc il faut que je la gère, ma crise de nègre. La première fois qu'on m'a dit que j'étais noir, je l'ai pris pour une insulte. D'ailleurs, le gosse qui m'a dit ça, j'ai traité sa mère de pute et sa mère m'a crié dessus en me disant que j'étais qu'une brute. Ce fut le début de ma lutte, des combats à main nue, des blessures au menu. J'avais 7 ans et pour certains un petit Satan. Paraît qu'avec le temps, la rage s'étend et puis s'éteint. Et moi j'attends, j'ai la trentaine. Passé par tant de haine et tant de questions sans réponse. Malgré les tentations, j'ai pas encore jeté l'éponge. Malgré les temps d'action, j'ai l'impression que pour les miens, y'a rien qui change de façon. Me parle pas de manque de peau, quand la nôtre se voit de trop, se voit tellement trop que certains s'éclaircissent le teint à la recherche d'un élixir certain pour conjurer le sort. Au lieu d'avancer ensemble et conjuguer des forts. Dans tout ce bordel, je cherche ma place, j'arrive pas à la trouver et ça me tracasse. Au bord de la crise de nerfs, j'ai développé une crise de nègre. Quand j'en parle, on dit que j'exagère, mais dans le fond ça me fait mal et il faut que je la gère. J'arrive pas à l'avaler, donc il faut que je la gère, ma crise de nègre. Le silence de nos parents est éloquent. Pour eux depuis longtemps, le modèle était le plan. Donc pour nous, suivre le modèle était le plan. Finalement, on s'est retrouvés sur les mêmes bancs, portant les mêmes vêtements, se fréquentant plus souvent. Et pourtant, toujours ce sentiment d'être impotent, de croire que le reste nous trouve si peu important. D'où nous vient ce complexe? Quand on parle de nous, tout devient complexe. Toujours cette impression qu'il n'y a que les nôtres qu'on oppresse, qui vivent mal et qui ont presque une vie de kleps, qui possèdent un futur qui obsède, car laisse trop perplexe un futur qui empêche de briser les chaînes, de ne plus courber les chines, de monter sur les chaînes, de ne plus voir les signes d'espoir que dessine le sourire de nos mômes, de croire que c'est possible de réussir sans faire le mot. Ceci n'est pas un cri de colère, colère. Ici il ne s'agit plus de couleur, mais s'il s'agit bien de douleur, douleur enfouie au plus profond de mon cœur. Ceci n'est pas un cri de colère, colère. Ici il s'agit plus de couleur, mais s'il s'agit bien de douleur, douleur enfouie au plus profond de mon cœur.